Alors donc vous avez le Mega Extreme, donc une version KMG, c'est ça? Ouais. Sacré convoi, hein. Elle est pas plus grosse. On avait remis la caisse sur le derrière de la remorque avant. Ouais. Et ça c'est bien quand on était 3 ou 4, mais après on était plus que 2 et au montage. Ouais. Et là c'était chiant. Parce que pour la bouger à la main, tout ça, c'était la galère. D'accord. Même pour la remettre sur la remorque. C'est pour ça que je l'ai remis sur remorque, voilà, la caisse. À deux, on met entre 3h30 et 5h pour le démontage. Et puis pour le montage, on met une journée. Ça se monte vite et puis tout va dessus, il n'y a pas besoin de prendre le morceau et d'aller le ranger dans le camion. Ouais. Tout va dessus, ça se remplit et puis là, c'est plus pratique. Voilà, ça reste un métier encore très récent. Ouais. Il balance jusqu'au looping à 100%. Ouais. Et il enchaîne 7-8 loopings, même 10 des fois, ça dépend le temps du tour. Ouais. Et puis après, on ralentit, puis quand il arrive à 90 degrés, on lâche les sièges et ils font des loopings à 360. J'ai fait des modifications pour le montage, j'ai mis tout en LED. Tout en LED? Ouais, j'ai mis au niveau des cabochons. Tous les éclairages en cabochons. Et après j'ai enlevé des halogènes, j'ai mis des projecteurs LED. Quand on est tout en haut, on est à combien de mètres? À 25 mètres. On voulait sortir un manège nouveau, puis il n'y avait pas trop, et puis voilà. On était plus sur un métier type balançoire. Ouais. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup en France aussi, c'est pourquoi. Enfin, non, il y en avait qu'un à l'époque, et c'était le deuxième qui était rentré en France. Et aujourd'hui, il y en a du coup. Il y en a 4, je crois.
avez une tournée spécifique ou là ça bouge beaucoup? Non. Quand j'ai les zones bleues, je vais dans les zones bleues. Je tourne dans le, je vais dans le nord, je vais dans l'est, dans l'ouest, dans le sud, je vais un peu partout. Ouais. Voilà, il y a l'arrêt d'urgence déjà. Ouais. Quand il y a un problème, on appuie sur l'arrêt d'urgence. Ça vous arrive souvent, non? Non. Oh non, c'est... Je l'ai jamais utilisé. Jamais? Juste pour les tests, j'utilise pour voir s'il marche. Quoi. Après ça, c'est pour allumer le pupitre et puis ça allume le tout courant du métier. Là, le bouton là, c'est un voyant en fait. Et ben, quand il s'allume, ça veut dire que tous les harnais sont bien fermés en fait. D'accord, c'est une sécurité en fait. Ça, le bouton rouge, quand il s'allume, c'est qu'il y a un problème. Ça se démarrer, arrêt, ça c'est les freins des nacelles, débloquer, freiner. Et ça c'est pour la hauteur, 15% il balance par haut, 40% il va à 90 degrés, puis 100% il fait le tour complet. Et ça c'est pour la rotation de la gondole. D'accord, ok. En fait ça c'est les projecteurs, et ça c'est les stroboscopes. Ça c'est les lumières et ça c'est pour fermer les barrières. Voilà, parce que du coup c'est pas donc des tours programmés comme il y a maintenant sur certains métiers. En suivant, on fait tourner nous-mêmes. D'accord, donc ouais. Vous variez peut-être parfois un peu, non? Ouais, on la fait durée. Ouais, on fait à peu près les mêmes tours. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait sur celui-là, il y a un tour, on peut pas dépasser plus de 3 minutes 30 le tour. Il s'arrête direct. À 3 minutes 30 il s'arrête. Donc vous pouvez pas faire des tours plus longs? Non. D'accord. Je peux pas faire plus long. J'ai demandé à KMG pour faire des tours plus longs, ils m'ont dit que je ne pouvais pas, on peut pas modifier ça parce que c'est le réglage d'usine.